Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 22 août 2024 est de 131 gourdes, 51,03 pour 1 $. Le taux moyen d'acquisition TMA pour la même journée est de 132 gourdes, 0,597 pour 1 $. À la clôture du marché le mercredi 21 août 2024, le baril de pétrole était à 71,75 $, soit une diminution de 1,85%. Le gouvernement haïtien a réajusté le budget 2023-2024 pour renforcer le secteur social avec un investissement total de plus de 12 milliards de gourdes. Parmi les mesures, 8,1 milliards de gourdes seront distribués en transfert monétaire pour soutenir les familles vulnérables, tandis que 1 milliard de gourdes sera consacré à la lutte contre la faim à travers les programmes alimentaires. En outre, 2,2 milliards de gourdes seront investis pour renforcer le système de protection sociale, tandis que plus de 7 milliards de gourdes seront consacrés à l'accompagnement des personnes déplacées en raison de l'insécurité. Toujours concernant le budget rectificatif 2023-2024, celui-ci marque une baisse de 20,5% par rapport au budget initial. De plus, 65% du budget est destiné aux dépenses de fonctionnement, tandis que 35% sont alloués aux investissements. Quatre ministères clés absorbent 43,3% du budget total, notamment l'éducation et la justice. Le gouvernement prévoit de financer ce budget par des recettes domestiques et des aides internationales, tout en comptant sur des emprunts pour couvrir un déficit de 16 milliards de gourdes, rapporte Proéco Haïti. Le réseau ferroviaire canadien est en péril alors que les négociations pour une nouvelle convention collective des cheminots stagnent. Si aucun accord n'est trouvé d'ici le 22 août, un lockout des compagnies CN et CPKC pourrait paralyser l'économie, mettant en danger plus de la moitié des exportations du pays. Chaque jour, plus de 1 milliard de dollars de marchandises circulent par rail, soulignant l'impact potentiellement catastrophique pour le Canada et ses partenaires commerciaux, notamment les États-Unis. Fin de la week pour Fininfo. Merci de votre écoute. À demain. Profininfo, une courtoisie de Profin. Ou de mes camions. Ça en fait, c'est lioué. Moun remé suivre ça yoé devant yo. Quitte ses bon gestes, quitte ses vieux gestes. Qui donc, un toujours by bon exemple pour l'autre monde qui a vint derrière. Parce que chaque action nous pose, ça marque la vie en l'autre monde. Un petit message et station go.